Bonjour mes étoiles, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lisa. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit haul action avec des petites nouveautés au rayon Pâques et enfants en fait. Moi je ne les avais pas vues, donc on verra ça à la fin. Déjà j'espère que vous allez bien, que vous profitez des moments avec vos familles, oui. C'est ce qu'il y a de plus important. Et merci d'être de plus en plus nombreux. Alors, ce que je vous présente, c'est les savons que j'utilise de chez Action. Hein. J'ai dû aller en racheter. Voilà, c'est le savon pour le corps. J'achète aussi chez Action le savon pour le visage, pour les cheveux aussi. Donc, ils font de très bons savons. Parce que moi, j'ai une peau très fragile, très sensible. Donc, je n'utilise pas les gels douche des magasins. Sinon, ça me fait des petites allergies. Donc ça, c'était, voilà, une petite chose à vous dire. Au cas où vous n'auriez pas encore testé ces savons, ils sont super bien. Donc il a la peau vraiment très fragile, il n'y a pas de problème. Je peux même vous faire voir les autres savons. Donc de quoi je vous parle? Déjà, ces savons-là, je vais vous donner le prix quand même. Hein. Ce serait pas mal, effectivement, que vous puissiez savoir à combien. Le petit savon. Et alors ici on nous marque. Voilà, 1,11€. Donc ce savon-là vaut 1,11€. Et j'achète aussi chez Action, hein, mais les codes-barres sont barrés en ce moment. Donc il va falloir que j'aille faire un petit peu de stock, je pense. Donc celui-ci, hein, le shampoing pour les cheveux, franchement il est top. Mes cheveux sont super bien lavés. Ils sentent bon. Et je me les lave deux fois dans la semaine seulement les cheveux. Hein. Alors qu'avant c'était pratiquement tous les 2 jours. Avec les shampoings des supermarchés, voilà, on va pas donner de marque, j'étais obligée de les laver tous les 2 jours. Là, franchement, je fais 2 shampoings par semaine seulement. Il y a aussi, du coup, ce shampoing-là, aloe vera, vous voyez, là, c'est olive, pour le visage. Et on a aussi, dans la même catégorie, mais je crois que l'emballage doit être rose, parce que là, je l'ai plus, je suis en train d'utiliser, pour aussi faire le gommage sur le visage, parce qu'il y a 2 savons pour le visage. Un savon pour les cheveux et après vous avez ces savons-là qu'ils ont en permanence, qui sont à différents parfums. Franchement, ces produits-là, ils sont top. Moi, j'adore parce que au début, j'ai acheté chez Unbottable, mais Unbottable, c'est très très bien, mais ça a un coût quand même financier. Donc maintenant, je les prends chez Action. Et ils sont vraiment super. Si vous voulez faire une capture écran, je vous laisse la faire hein, pour que vous puissiez voir ce que j'utilise pour me laver au quotidien. C'est une petite astuce, ça peut vous aider. Financièrement, c'est rentable. Les savons durent très longtemps quand même. Il faut savoir que nous, c'était un gel douche par semaine avant. Et là, on est loin de ça. Donc, je peux vous dire qu'on fait des économies au niveau des shampoings et des gels douches. Hein. Bon, par contre, les enfants, eux, sont restés aux gels douches normaux, aux shampoings normaux. Ils n'ont pas voulu passer comme nous. Peut-être qu'après, ils y passeront. Hein. Je pense que c'est le fait que ce soit des savons, qu'il faut reprendre des gants ou autre. Je ne sais pas. Ça, c'est pas trop grave encore. Donc voilà. Ensuite, maintenant, c'est que du scrapbooking, que du loisir créatif. Donc, je vous ai dit plusieurs fois, il faut en profiter tant qu'il y en a, que au rayon enfant, on peut trouver du coup des papiers miroirs. Parce que c'est vrai que je vais monter un petit peu la caméra. Au rayon scrapbooking, ça n'est pas en permanence. On n'a pas en permanence, en fait. Du papier miroir ou du papier pailleté. Donc l'emballage est comme ceci. C'est bien marqué miroir casse-bord. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information? Ici, du A4, il y a 15 feuilles et c'est du 250 grammes. Donc franchement, c'est top. J'en ai repris 2 papiers, de l'eau, je veux dire. Excusez-moi. Même moi, je me trompe. Et du coup, les 2 blocs m'ont coûté. Alors, où est-ce que c'est marqué? Ah oui, carton miroir 15 feuilles, les 2 paquets. Pour les 2 paquets, j'ai payé 1,98€ pour les 2 paquets. Je me rappelais plus en fait combien on avait de papier de couleur à chaque fois. Et ils sont super bien faits, puisque voilà, on a 3 couleurs de violet, hein, 3 feuilles violettes. Ensuite, on a 3 feuilles bleues. Donc c'est top franchement au niveau des couleurs. Du violet, du bleu. On en a 3 verts.
Ça, c'est génial, quoi. Si on a des créations, des cartes, des échanges à faire, voilà, c'est top, hein. Faut profiter tant qu'on en a dans les magasins. Donc là, apparemment, c'est deux rouges. Deux couleurs or, hein, jaune, quoi. Et deux couleurs argentées. Donc moi, je les achète en gros lot. Et après, je les mets... Enfin, j'achète plusieurs lots, je veux dire. Et après, je les mets par couleur. Moi, il me refallait absolument du vert, parce que j'avais plus de vert. De l'or, plus trop non plus. Donc voilà, comme je fais plein de petites choses en ce moment, que vous allez voir bah, dès que les gens... J'envoie la semaine prochaine, parce que aujourd'hui, du coup, on est mercredi 13 mars. J'envoie du coup la semaine prochaine, après avoir fait le tirage au sort le lundi 18 mars, j'envoie les deux colis gagnants. Donc j'envoie aussi mes deux échanges de packs. J'envoie aussi mes créations pour des participations à des concours. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, énormément d'envois à aller emmener à la poste et à Mondial Relais lundi et mardi prochain, dans une semaine, quoi. Moins d'une semaine. C'est pour ça qu'il me refallait beaucoup de papier miroir. Et oui, je blablate, je blablate, je vous explique ma vie, c'est pas ça qui vous intéresse. Bref, si vous avez besoin de papier miroir, vous l'aurez compris, au rayon enfant, vous avez ces magnifiques feuilles. Donc voilà ce que j'ai pris pour moi. Ensuite, ce que j'ai trouvé et qu'il me refallait, puisque je fais du coup ces créations, je fais beaucoup d'échanges, ce qu'il me fallait, c'était de la dentelle à nouveau. Et oui, donc j'ai mis un temps fou à trouver la dentelle que je voulais, parce que c'était à Action Migène que je suis allée. Et du coup, la seule chose qui est un petit peu négatif, c'est que c'était mis tout en bas. Donc quand on a des problèmes de santé, c'est pas très pratique pour regarder la dentelle. Donc je me suis mis par terre, hein, il n'y a pas d'autre choix. J'ai tout sorti gentiment, j'ai regardé gentiment pour essayer de trouver ce que je voulais. Donc ici, on nous dit qu'il y a 2 fois 100 cm parce qu'on a deux dentelles différentes. Et les rubans de dentelle autocollantes, c'est ça qui est super. Moi, j'en ai pris 5 au total, donc ça m'a coûté 4,45 € pour les 5 lots. Donc moi, ce que je cherchais absolument, c'était à avoir de la dentelle blanche. Puisqu'en fait, la dentelle blanche toute fine comme ça, j'en ai pratiquement plus. J'ai usé mes stocks. Donc là, la dentelle jaune ne me pose pas de problème. Parce que pour mes créations de Pâques, c'est génial. Voilà, la semaine prochaine, je vais essayer. Ou peut-être que je vais commencer là cette semaine des tutos un petit peu sur le thème de Pâques. Hein. Donc j'avais besoin aussi de dentelle toute petite jaune. Donc là, j'ai eu la chance d'en trouver de l'eau. Je me suis dit que celle-ci, dentelle... On peut l'utiliser avec ce ruban-là pour des petits garçons ou autre. Voilà. Donc deux comme ça. Et j'ai réussi à en trouver ici l'espagne. Hein. 2 fois 100 cm. Voilà. 3 fois la même. C'était le blanc que je cherchais absolument. Et après, c'est beaucoup de beige. Et moi, en fait, le beige ne m'intéressait pas. Donc du coup, j'ai 3 fois la même petite dentelle en blanche et en violet. Elle est autocollante. Donc c'est pratique. Vous la posez directement sur vos tags. Ça fait tout de suite le job, donc je ne vais pas faire voir ce que je fais parce que c'est pour envoyer. Donc c'est pas possible que je vous fasse voir comment j'utilise. Vous verrez quand je filmerai mes envois. Donc voilà. Mes 5 rubans de dentelle. Le stock est refait. Ensuite, j'ai pris quelque chose pour Alice. Alice aime beaucoup décorer, beaucoup peindre en ce moment, comme vous avez pu le remarquer. Du coup, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, j'en prends juste un. C'est un capteur de rayonnement solaire pour Pâques 065. Il y avait plusieurs motifs. Moi, j'ai choisi le panier. C'est une surprise que j'ai fait comme ça cet après-midi. On va pouvoir faire des petites créations. Donc, elle va s'occuper. Après, à l'intérieur, je pense. Bon, c'est pas grave si je l'arrache ici. Parce que le temps que j'enlève ça. Ça contient quoi? Donc ça contient. Ah oui, c'est assez grand quand même. Hein. Sur une main, oui, c'est super joli, c'est grand. Hein. C'est pour ça les mesures. C'est 12,5 cm par 13,5 de hauteur. Ok. Je voulais savoir c'était quoi la mesure. Donc là, on a un trou. Donc ils ont donné la couleur rose, la couleur bleue, la couleur jaune. On a le pinceau, la ficelle. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, les petits pots sont comme ça dedans. La ficelle est tout en bas.
et le petit pinceau. Donc oui, c'est génial, je trouve. Tout est fourni dedans, donc on n'a plus qu'à créer. À voir si ça plaît ou pas à Alice, et si ça lui plaît, j'irai en rechercher. Ensuite, j'ai trouvé deux choses magnifiques que je n'avais pas encore vues. Alors peut-être que ce n'est pas nouveau dans votre action. En tout cas, pour moi, c'est nouveau. Tadam! Alors, c'est un cadre grand format de Diamond Painted. Alice, elle aime bien faire. Et surtout, c'est une magnifique licorne sur sa lune. Alors, on adore la lune, on adore les licornes, les roses, les cœurs, les étoiles. Voilà. Tout est magnifique. Ici, c'est 27 cm par 27 cm. C'est trop joli. Bon, bien entendu, je vais l'aider. Vous voyez, si ça ne fait pas trop de reflets, c'est uniquement fait sur la licorne. Et derrière, on a tout le matériel qui est fourni. Hein. Les différentes petites strass, hein, petites perles hein, de Diamond Painted. Le support vert pour les mettre dedans. Le petit truc rose. Alors, parce que je ne sais pas si j'en ai un sous la main qui est sorti. Bon, là, ici, il ne se voit pas bien. En tout cas, là, la licorne. Vous voyez déjà, elle est bien captée. Et une autre chose. Bah, elle est trop fan. Elle est trop fan de ça. Et j'en connais une aussi. Nathalie qui est trop fan de ça aussi. Moi, je l'ai vu, j'ai pas résisté. Hein. J'ai dit, c'est pour Alice. Elle va adorer pour le faire dans sa chambre. Vous posez peut-être la question aussi, comment les accrocher dans la chambre? En fait, il existe des systèmes, mais là, j'en ai plus en stock, où on peut mettre, c'est comme des scratchs, comme des sparadraps. Vous les mettez ici, vous les accrochez au mur. En plus, ça laisse pas de traces. Il n'y a pas besoin de mettre de crochet ou quoi que ce soit. C'est facile à utilisation. Donc là, on a tout le matériel nécessaire. Et le panda est magnifique. Il n'y a rien à dire. Il est sublime. Donc voilà, je pense que ça va faire très joli dans la chambre de ma puce, qu'elle va être contente. Il va falloir d'abord, avant, faire un petit peu de travail pour obtenir cette magnifique création. Mais sincèrement, ça occupe nos enfants, surtout qu'il pleut beaucoup en ce moment, malheureusement. Et bien voilà, mes étoiles, ce petit haul est terminé. J'étais ravie de passer ce petit moment avec vous et que j'espère que vous allez tous très très bien. Donc profitez-en pour prendre du temps avec vos proches, vous amusez-vous, détendez. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos, mes étoiles. Bisous, bisous!